Elle, c'est la dame qui refusa de laisser son niveau académique constituer un frein pour sa réussite. Elle, c'est la dame qui décida de ne pas laisser les circonstances contrôler sa vie. Elle, c'est la vendeuse de bananes du marché devenue chef d'entreprise. Entreprise qui génère plus de 30 milliards de francs CFA par an. Quoi? 30 milliards? Je crois qu'elle peut payer ton salaire pendant 30 ans. Bon, ça c'était juste une parenthèse, une petite blague. Juste pour montrer la force de l'entrepreneuriat. Salut et bienvenue sur Africa is Wealth, la chaîne de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière. Ces deux grands piliers sur lesquels nous, Africains, devrions nous appuyer pour contribuer au développement de l'Afrique. Sur ce, je t'amène à découvrir Madame. Boulevard Lubumbashi à Kinshasa. Le long de cette voie très fréquentée, une station-service est en train de sortir de terre. Le vent que vous voyez là-bas, c'est là où il y a la station-service. C'est sur cet îlot-là que nous allons placer deux pompes de distribution. Les ouvriers ont 2 jours pour couler les 120 mètres cubes de béton qui vont constituer le sol de cette future station et de ses dépendances. Là, c'est juste un dépôt pétrolier que nous avons réalisé. Et ce dépôt a une capacité de 140 mètres cubes. Particularité, c'est une marque congolaise qui construit la station-service. Un moment important, alors, la patronne en personne a fait le déplacement. Quand je passe, je contrôle ce qu'ils sont en train de faire, en fait, pour aussi que je puisse donner mon avis et apprécier aussi la qualité. Le contrôle, c'est la marque de fabrique de Pauline Mona Kayoko. À 44 ans, elle est à la tête d'un réseau de 10 stations-service en RDC. Mona Lux, son groupe, c'est 30 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Une réussite pour cet autodidacte qui a débuté avec comme seul bagage un diplôme de couture. Ses connaissances, elle les a apprises sur le terrain. C'est pour faire un domaine, qu'il soit, il faut avoir les notions. En fait, de voir la possibilité de contrôler ce qu'on te dit, si c'est vrai ou faux. Mona Lisa ne croit que ce qu'elle voit. C'est sa marque de fabrique. Car au Congo, le secteur pétrolier est ultra concurrentiel. Mona Lisa doit s'imposer face à des multinationales du pétrole qui possèdent 60% du marché de la distribution d'essence. Mais cette bataille ne lui fait pas peur. Je n'ai pas peur des multinationales. Et ils ont multinationales, ça veut dire qu'ils sont des grands poissons. Nous, on est des petits poissons. On mange le petit pain avec une petite assiette. Mais on mange le même produit qu'elles mangent aussi. Et à la place pour les petits. On les réserve quand même ceux qui tombent par terre, nous on ramasse. Selon elle, il y a de la place pour les gros et les petits. Et son marché, ce sont les petits. Pauline Mona Kayoko a mis en place une stratégie différente de ses concurrents. Elle a choisi de s'installer dans les quartiers populaires. Cette station est l'une des plus petites de son réseau, mais paradoxalement, c'est la plus rentable. Mais tu vois les quartiers où tu es, c'est les quartiers indigènes, ils ont l'argent, tu vois le trafic. Ça veut dire que c'est le plus meilleur. Une clientèle pauvre qui fait des petits pleins, mais qui revient souvent. C'est le pari de Pauline Mona. Alors, pour pouvoir être rentable, la patronne a mis en place une série de mesures. Joseph Elvis Mulumba est le responsable de cette station-service. Il coordonne les 7 pompistes qui y travaillent. Quand le véhicule arrive, les clients se présentent auprès du pompiste. Il donne de l'argent. Une fois que la pompiste a de l'argent, c'est quelle valeur? Après, décroche le bec pour servir les clients. On paye avant, pas sans argent de ce côté ici, on peut fuir avec le produit. Hein. Ces précautions ne s'appliquent pas qu'au moment de servir les clients. Tous les jours, les employés de Mona Lisa recomptent la recette. 10 millions de francs CFA en moyenne en petites coupures. Chaque paquet de billets est inspecté un par un afin de s'assurer qu'ils correspondent aux déclarations des caissiers. Cette pièce contient 25 billets. Ça commence à partir de 50 francs, le billet de 50, jusqu'au billet de 20 000 francs. Dans cette liasse, il manque un billet de 500 francs congolais. Le caissier appelle immédiatement la pompiste responsable. C'est la règle chez Mona Lisa. En cas d'erreur de leur part, les pompistes doivent mettre la main à la poche. Edwige devra verser les 500 francs manquants. Elle est responsable. Elle qui doit donner pour combler le vide. C'est le bon compte font les bons amis.
D'après le gérant, les erreurs de caisse ont drastiquement chuté grâce à cette technique. Auparavant, on pouvait 50 000 francs, 20 000 francs de manquant. Mais maintenant, si on a bien vérifié, c'est 500 francs, des fois 1 000 francs. Et comme ils sont sur place, ils sont obligés de payer l'argent de Mona. Pour augmenter ses marges, Pauline Mona ne compte pas que sur sa gestion rigoureuse. Elle veut transformer ses stations en petits centres commerciaux. Son objectif, y vendre de la nourriture, des biens de première nécessité, ou y installer une chaîne de restaurants à son nom, comme ici, dans sa station de Ma Campagne. Un développement qu'elle fait au fur et à mesure, en fonction de sa trésorerie, un investissement important, mais très rentable selon la patronne. Si on me fait ici 200 dollars, là-bas 300 dollars, j'ai 500. Tout est bon pour gagner un peu plus d'argent, en fait. En fait, l'argent n'a pas de couleur. Avec ses deux étages, ce bâtiment lui a coûté 1 milliard de francs CFA. Mais le chantier a pris du retard. La faute au constructeur. Seul le gros œuvre est terminé et la patronne n'est pas contente de l'entretien. Je ne peux pas accepter que je trouve le bâtiment comme ça, détruit. Je vais trouver la maison brillée. Ce n'est pas du tout génial, ce n'est pas du tout bon. Si Pauline Mona est aussi attentive à l'entretien de son bâtiment, c'est qu'elle aimerait commencer l'exploitation du rez-de-chaussée avant la fin des travaux prévus en 2017. Ce sont de l'argent qui a été mis ici qui dort. Jusque-là, ça ne dort pas, ce n'est pas exploité. Mais je vais exploiter bientôt le rez-de-chaussée ici. Pauline Mona ne laisse rien au hasard. Tous ses investissements doivent être rentables. Deux nouvelles stations-service sont en construction à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Une consécration pour cette commerçante qui a commencé les affaires en vendant des bananes sur le marché et qui est devenue, 20 ans plus tard, l'une des plus importantes femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo.